Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lire les lettres E, I, N qui font le son 1 ainsi que les lettres A, I, N et A, I, M qui font également le son 1. On peut imaginer que le E ou les A sont des lettres muettes et à ce moment-là, on retrouve le son 1 que l'on a déjà vu avec le I et le N. Ça peut être un moyen pour lire plus facilement ce son complexe qui a trois lettres. Est-ce que vous êtes prêts à lire quelques syllabes? Alors on est parti. Si j'accroche le M qui fait le son M avec les lettres A, I, N qui font le son 1, je lirai main. Si j'accroche le P qui fait le son P et les lettres E, I, N qui font le son 1, je lirai pain. Si j'accroche la lettre F qui fait le son F et les lettres A, I, M, je lirai fin. Si j'accroche la lettre R qui fait le son R et les lettres E, I, N, je lirai rein. Si j'accroche la lettre N qui fait le son N et les lettres A, I, N qui font le son 1, je lirai nain. Une dernière, si j'accroche la lettre D qui fait le son D et les lettres A, I, M, je lirai d'un. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Très bien. Donc maintenant, nous allons essayer de lire quelques mots. Je vous laisse quelques secondes pour les lire dans votre tête. C'est bon pour vous? Alors on y va. Premier mot, le b. Un, le bain. Le bain, c'est quand on se lave dans la baignoire. Mot suivant, la, f, un, la fin. La faim, c'est lorsqu'on a envie de manger. P-l-un, plein. Plein, c'est le contraire de vide. C'est quand mon verre est rempli. Dernier mot pour cette feuille. Le nain. Le nain, c'est une personne de petite taille. On les trouve généralement dans les contes. Très bien. Maintenant que vous avez lu ces mots, on passe à des mots un peu plus difficiles. Je vous laisse un peu de temps pour les lire de votre côté. Très bien. On y va ensemble. Le refrain. Le refrain. Le refrain, c'est une partie de la chanson qui revient plusieurs fois. Une peinture.
une peinture. La peinture, vous savez tous ce que c'est. On en fait à l'école et vous en avez sûrement déjà fait aussi à la maison. Deux mains. Demain. Demain, c'est le jour qui suit celui d'aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes lundi. Demain, nous serons mardi. Et le dernier mot, craindre. Craindre. Craindre, c'est avoir peur. Je vous félicite pour avoir lu tous ces mots. Maintenant, vous savez que les graphèmes E, I, N et A, I, N et A, I, M font le son 1. Je vous laisse vous entraîner sur votre livre de Taoki à la page 109 et me retrouver pour un prochain exercice.